ce cours de picking, on va voir un picking de base. Donc sur une chanson qui est très très simple, puisqu'on ne jouera à chaque fois qu'une seule frette sur une seule corde. Alors la seule difficulté ici, c'est de savoir quelle doit utiliser à quel moment. Donc ce qu'on va faire, c'est que quand il y a une frette qui est toute seule, on va utiliser l'index pour la jouer. Par exemple, au début, la première, c'est la 2 qui est ici. Donc on va la jouer avec l'index ici pour maintenir, avec le pouce qui vient en appui juste derrière. Et on va utiliser l'index de la main droite pour venir faire la note. Pour le 0 qui lui se joue souvent en haut, on va pas là non plus utiliser l'index pour venir le gratter en haut, ça aurait pas de sens. Alors on va laisser l'index en bas et c'est le pouce qui viendra faire le 0. Pour le petit pont, on va devoir aller chercher la 5e frette. On aurait deux solutions, soit de faire glisser le doigt directement jusqu'à la 5e et après de remonter, mais ça va être un peu compliqué, on peut perdre du temps. Ou alors on va faire plus simple, on va directement venir appuyer ici avec l'annulaire. Et après on va utiliser le majeur, c'est-à-dire qu'au moment où on a passé, on va venir chercher la 5. Ensuite, il faut remonter pour aller chercher la 3. À ce moment-là, on va poser le majeur. On le lève. Aussi simple que ça. Avec ces trois doigts-là, du coup, on va pas s'empêtrer. Alors c'est tout pour ce premier picking, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire vu la simplicité de la mélodie. Donc du coup on verra bien plus compliqué par la suite, entraînez-vous déjà à passer celui-ci sans hésitation, et on se revoit très bientôt pour la suite.